Les trois vœux de Molosse, Sébastien Mechenmoser. Un beau matin, Molosse se réveilla alors que la journée était déjà bien entamée. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se lever pour une demi-journée seulement? Se demanda Molosse. Pas de lait dans le frigo, pas de céréales dans les placards, pas de café dans la tasse. Est-ce que le journal est arrivé? Voilà que commença pour Molosse une bien mauvaise journée. Déjà à demi passée, avec un journal détrempé, sans petit déjeuner ni café. Une journée si mauvaise que Molosse eût préféré qu'elle ne commençât jamais. C'est alors qu'arriva une fée. Et elle lui dit: Framboise, chantilly et tarte, puis chocolat de toutes sortes. Un chat, un poney, importe, tu ne te plaindras plus de ton sort. Un château, une auto, un plan d'eau, je peux souhaiter tout ce que tu veux et ne plus jamais te retrouver seule. Réfléchis aux trois vœux que je dois réaliser pour toi. Sois prudent et choisis-les sagement. La petite fée n'est-elle pas adorable? Vœu numéro 1. Vœu numéro 2. Vœu numéro 3. C'est ainsi que Molosse et la fée porcine vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour, enfin de leur demi-journée et de leur jour.